Il y a 2 années, à l'été 2019, Alain Delon était victime d'un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. L'acteur de 85 ans a été ensuite opéré à la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il est resté 3 semaines en soins intensifs avant une longue convalescence en Suisse. « Je vais mieux, mais c'est long », avait précisé le père d'Anthony, Alain, Fabien et Anouchka, en juin 2020 à l'AFP alors qu'il était interrogé pour rendre hommage à l'écrivain Roger Borniche. Mais dans quelques semaines, il fera son grand retour. Ce sont nos confrères du Journal du Dimanche, ce 2 mai, qui ont révélé la nouvelle. La semaine prochaine, le comédien va débuter l'enregistrement d'une interview filmée et menée par journaliste Cyril Viguier. Ce dernier est allé passer une journée avec Alain Delon, dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Un entretien intitulé « Alain Delon face au monde » est diffusé au mois de juin prochain. Ensemble, ils aborderont plusieurs sujets, la pandémie, Emmanuel Macron, métaux, sa vie et sa carrière. Ce n'est pas tout puisqu'Alain Delon parlera de son dernier projet au cinéma comme l'a mentionné le journal. À voir également, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo bouleversés. Ce drame survenu à la veille de 2021, la rédactionnelle Hirosiles bloque ADS. Why ?